Bonjour à tous, bienvenue en Charente dans la Galerie France 5. Nous fêtons avec quelques petits jours d'avance la 40e édition du Festival international de la BD. Une quarantaine heureuse. Avec au programme de nouvelles rencontres, des dédicaces, des prix, des expositions, Angoulême, capitale de la bande dessinée depuis 1973. Oui, c'est une ville qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'émotions depuis tout le début, parce que je suis arrivé là, au deuxième Angoulême. C'était vraiment le lieu, c'est un peu la Mecque, hein. On en rêve, parce qu'on sait qu'on a l'occasion là de voir à peu près tous les gens qu'on aime et qu'on admire. Enlevez les cornettes de la coiffe de Bécastine, ajoutez-lui le houppette. C'est Tintin ? Eh oui, c'est Tintin. C'est un vrai coup de cœur. Je suis très heureuse de vous faire découvrir ce matin un dessinateur hors pair, un artiste français qui mérite vraiment d'être davantage reconnu. Il s'appelle Calvo, il est né à la fin du 19e siècle et c'est seulement à l'âge de 46 ans qu'il décide de vivre de son art. Walt Disney veut le faire venir dans ses studios, Calvo refuse. Il reste en France et va devenir le modèle d'un des plus illustres dessinateurs français. Voici Calvo, un génie de la BD, un documentaire réalisé par Sandra Malfait. On se retrouve tout à l'heure à Angoulême. Edmond François Calvo, un auteur de bande dessinée dont le nom est tombé dans l'oubli. Pourtant, cet homme est un génie, reconnu par ses pairs. Pourquoi le travail de Calvo est-il aussi fascinant ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'œuvre du maître. Jean-Pierre Mercier accepte de nous montrer les dessins originaux de Rosalie. Ce livre, paru en 1947, est l'un des chefs-d'œuvre de Calvo. On y retrouve son style si particulier. Ça, c'est les plages originales. Au début, on est un peu étonné parce que c'est tellement net. Il n'y a pas de repentir, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit « Oh, juste, je me suis trompé, je vais recommencer ». Et puis c'est aussi la richesse incroyable des nuances de couleurs. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'étonnant chez Calvo, c'est que c'est quelqu'un qui ne va jamais hésiter sur les couleurs. Il va mettre du bleu, de l'orange, du rose, du vert, du rouge. Enfin, et en même temps, tout ça est très harmonieux. Calvo porte une attention particulière aux couleurs, au point qu'il annote sur ses planches des indications pour l'imprimeur. Pour respecter la richesse de son dessin, il veut une impression en 6 couleurs et non en 4, comme cela se fait habituellement. Comme un artiste peintre, il pose les teintes directement sur son dessin en utilisant l'aquarelle, la gouache ou l'encre de Chine. Nous poursuivons notre enquête à la recherche de témoins de cette époque sur les traces de ce petit-fils qui dessinait sur les originaux de Calvo. Nous le retrouvons justement chez lui, à Paris. Aujourd'hui, Franck Laboré n'abîme plus les originaux de son grand-père. Bien au contraire, il veille sur son œuvre. Mon grand regret, c'est de ne jamais l'avoir vu travailler, juste pour voir comment il faisait. Parce qu'en fait, on a le résultat, la finale. On a eu parfois des étapes intermédiaires sur certains albums. Mais c'est vrai que de voir comment il s'y prenait, ça reste une grande frustration de ne pas l'avoir, de ne pas avoir pu le faire. Parmi ses archives, nous découvrons une lettre adressée à Franck Laboré. C'est un hommage à son grand-père. Elle est signée par un grand nom de la bande dessinée. J'ai été très touché par votre envoi du catalogue qui annonce l'exposition de l'œuvre de votre grand-père Calvo, mon maître. Votre témoignage sur le décor de votre enfance m'ont fait revivre de très anciens et merveilleux souvenirs. La bonté, la gentillesse et les encouragements qu'il a eus envers mes jeunes années sont définitivement imprimés dans ma mémoire. Albert Uderzo évoque ses souvenirs d'enfance avec Calvo. Il serait donc le jeune admirateur qui regardait Calvo dessiner en 1941. L'auteur mondialement connu d'Astérix et Obélix nous reçoit chez lui pour nous raconter cette histoire. Il m'avait pris en amitié, bien sûr, de voir ce gamin qui voulait faire du dessin. Je ne parlais pas encore de faire ce métier, mais il sentait que j'avais une envie parce que je dessinais, et je faisais des petites bandes dessinées déjà. Et donc il avait vu ses dessins et il croyait en moi.
Et comme c'était un homme charmant qui n'était pas du tout un but de sa personne, il m'a fait asseoir à côté de lui. Et puis je l'ai vu travailler et je l'ai vu. J'avais pas assez de mes yeux pour regarder faire comment il fait. Et surtout, ce qui était prodigieux déjà à l'époque, c'est de le voir travailler avec une plume. On sait ce que c'est qu'une plume. C'est quelque chose d'assez assez rêche. Et je n'ai jamais pu l'imiter là-dessus. Je travaillais moi avec un pinceau, mais lui travaillait avec des plumes très souples, des plumes anglaises. Et rien que de le voir faire, je disais, mais comment fait-il? J'ai essayé de faire comme lui, mais je n'ai pas réussi. Calvaux a su séduire d'autres dessinateurs de talent et sa notoriété a même traversé l'Atlantique. Notre enquête se poursuit à New York. Nous rencontrons Art Spiegelman, prix Pulitzer 1992 pour Maus. Cette bande dessinée raconte l'Holocauste. Les nazis y sont des chats et les juifs des souris. Comme Calvaux, Spiegelman a raconté la guerre en utilisant comme protagoniste des animaux. Alors, l'auteur underground new-yorkais s'est-il inspiré de l'œuvre du dessinateur parisien? J'étais stupéfait par le travail, mais pas nécessairement à cause du sujet, plutôt en raison de l'intensité des illustrations et de l'art graphique. Je peux comprendre que, rétrospectivement, on pense que Calvaux est l'inspiration de Maus. Maus a été fait avec beaucoup d'associations d'idées différentes. Calvaux était pour moi une façon de valider mon idée. Cela m'a donné plus encore la conviction d'être sur la piste de quelque chose qui avait des racines assez profondes pour tenir debout. À l'époque de Maus, c'était une folie de faire cette longue bande dessinée sur l'Holocauste en utilisant des animaux. Cela n'aurait pas suffi de dire « Regardez, la bête est morte » de Calvaux pour justifier cette folie. Dans son livre « Metamaus », Spiegelman mentionne « La bête est morte », une manière pour lui de rendre hommage à Calvaux, qu'il admire. Gilles Simon, pourquoi cet artiste n'a pas la reconnaissance qu'il mérite ? Il a sans doute été oublié par le public, du fait qu'il a beaucoup publié dans les journaux et pas en livres, ou très peu en livres, et que c'est par les livres qu'on perpétue la connaissance d'un auteur. Mais cela dit, son chef-d'œuvre, la Bête est morte, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée française, lui continue à être édité en ouvrage. Alors vous nous présentez ici tout le parcours historique de la BD. Beaucoup de gens ignorent à quel moment a été créé le 9e art. Est-ce qu'on a la date précise ? Quand on interroge le public qui vient, en général, les gens, selon leur âge, parlent d'une époque qui est en fait leur jeunesse. Et en réalité, il faut remonter beaucoup plus loin. C'est à Genève, en Suisse, en 1833, Rodolphe Töpffer dessine ses premières bandes dessinées et les publie. Et parallèlement, d'ailleurs, aussi écrit sur l'art qu'il est en train d'inventer. Quels sont les premiers personnages emblématiques de la BD française ? Eh bien, on peut remonter à Christophe, le dessinateur Christophe, qui était un pseudonyme, il s'appelait Georges Colomb, donc Christophe Colomb. C'était le professeur de sciences naturelles de Proust, accessoirement. Mais il a dessiné la famille Fenouillard, le sapeur Camembert, qui sont, en 1880, des séries qui ont continué à être éditées, même en livre de poche, encore dans les années 60-70. Il y a aussi Rabier, qui est présenté ici. Lui, il nous présente une BD animalière. Oui, alors c'est vraiment le maître de la bande dessinée animalière. Il en a fait un genre à part entière. Il a été beaucoup, beaucoup imité, beaucoup suivi. Il est connu par ailleurs pour un autre animal, hein, c'est la vache qui rit, qu'il a dessiné. Et puis surtout, il ne faut pas oublier Bécassine, qui a connu un succès incroyable à travers tout le XXe siècle, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Bécassine, Bécassine, quand tu vas courir ainsi parmi les collines. Et ben la voilà, Bécassine. Et oui, et avec Bécassine, on peut prendre une petite leçon de bande dessinée. Puisque avec son visage,
on se rend compte que la bande dessinée a besoin de très peu de codes et que changer quelques petits traits sur ce qui est en fait presque une prise de courant permet de changer l'expression. Vous voyez, juste des sourcils qui s'affaissent, une cornette qui tombe et de la surprise, nous aboutissons à la tristesse ou à la déception. Et ensuite, vous vous rendez compte que ces codes très minimaux peuvent servir à plein d'autres usages, à plein d'autres personnages. Par exemple, enlever les cornettes de la coiffe de Bécassine, ajouter lui de houppette. C'est Tintin ? Eh oui, c'est Tintin. Alors, dans la BD, il y a plusieurs écoles, hein, écoles esthétiques. D'abord, le clair-obscur. Oui, le clair-obscur, qui est une école qui a beaucoup marqué, notamment la bande dessinée américaine, mais pas seulement. Elle est héritée, disons, de l'expressionnisme, avec ses aplats noirs et blancs. L'effet théâtral. L'effet théâtral, la nuit, etc. Pas seulement, d'ailleurs, dans les bandes dessinées de genre. On a là, par exemple, en ce moment, une très belle planche de Calvo, qui est dans ce genre-là. Ici, c'est la ligne claire. C'est celle d'Hergé ? Alors, la ligne claire d'Hergé, absolument, et ses prédécesseurs et ses successeurs, parce que c'est vraiment toute une école. La ligne claire, c'est un dessin de contour très net. Très pur. Très pur, pas de plein et délié, pas de dégradé, pas d'ombre. Le soleil est à midi toujours. voilà, ça c'est la ligne claire. C'est une très grande lisibilité et beaucoup de... Alors, Hergé s'est inspiré de Saint-Augan ou de Pinchon, nous l'avons vu, mais également, ensuite, il a été suivi par beaucoup d'autres artistes qui ont adopté ce style. On peut dire qu'en 2013, la BD a vraiment acquis ses lettres de noblesse. Oui, je pense qu'elle a acquis ses lettres de noblesse. Elle fait l'objet de nombreuses publications, des colloques universitaires. Elle est encore... Un festival la semaine prochaine. Un festival qui fête sa 40e édition. Et puis la cité, avec son musée, qui est le grand musée national de la bande dessinée. Quelle est l'ambition de la cité de la BD à Angoulême ? La cité, dans son ambition, c'est de faire rayonner la bande dessinée mondialement, en diffusant ses ressources, ses collections, sa réflexion, en encourageant aussi la création, en aidant, puisque nous avons une résidence d'artistes, et ainsi la faire connaître, la faire vivre, et entretenir la flamme toute l'année. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clics, des clics, crac, des bang, des et des zip, shibam, pa, blop, alors vous avez hérité il y a peu de temps d'un fonds de comic books américains. Vous êtes devenu le musée le plus important en Europe de bande dessinée américaine. Oui, nous avons une collection assez extraordinaire dont l'arrivée ici est un peu rocambolesque, mais c'est une collection absolument unique. Oui. Eh bien justement, nous allons découvrir ensemble l'histoire de cette fabuleuse donation de comic books en Charente, quand Hulk, Spider-Man débarque ici à Angoulême. Voici ce documentaire réalisé par Laetitia Vance et on se retrouve tout à l'heure. Hulk, Spider-Man, Iron Man ou encore X-Men, ils sont nés dans la bande dessinée américaine. Il y a près de 10 ans, le musée de la BD à Angoulême a reçu des centaines de milliers de comics. Quelle est la valeur de ces comics aujourd'hui ? Pourquoi Marvel a décidé de faire cet incroyable don ? Pour les fans, c'est le Graal. C'est dans les coffres-forts du musée que sont stockés précieusement les BD Marvel. Et pour y accéder, il faut être détenteur d'une clé. Ici se trouve la plus grande collection d'imprimés en Europe. Des milliers de numéros de la collection Marvel des années 1950 à nos jours sont conservés. La plupart sont en bon état, mais fabriqués à base de papier de pulpe de bois. Ils n'étaient pas conçus pour durer dans le temps. Ces bandes dessinées racontent l'histoire de super-héros.
Ils ont des super pouvoirs, une identité secrète et surtout un costume. Les premières personnes à s'identifier, c'est la jeune génération. On est en plein dans l'imaginaire adolescent. C'est-à-dire quand on est un adolescent, le corps change, la psychologie change, les centres d'intérêt changent. Peter Parker, c'est pas par hasard qu'il continue à être extrêmement populaire, c'est que c'est un adolescent et il a une vie secrète, il est pris par des transformations, il devient un super-héros et c'est autant quelque chose qui lui fait plaisir que quelque chose qu'il subit et c'est une psychologie adolescente. Marvel, c'est l'un des deux géants de la création de bandes dessinées américaines. La société est basée à New York, la ville par excellence des super-héros. Disney l'a racheté récemment, 4 milliards de dollars. Marvel deviendra une machine à succès en fabriquant des comics que les fans s'arrachent chaque semaine pour suivre les exploits de leurs super-héros. Retour à Angoulême. Si le musée de la BD y possède la plus grande collection en Europe de comics Marvel, ce n'est pas par hasard. Une personne est à l'origine de toute cette histoire, c'est elle. Elle s'appelle Margaret Malone Pujol. Cette américaine a fait le déplacement pour la première fois à Angoulême pour rencontrer Jean-Pierre Mercier, l'autre acteur principal de cette incroyable saga. À l'époque, Margaret est envoyée par Gift in Kind, une association caritative aux États-Unis, chargée par Marvel de trouver le bénéficiaire de ce don. C'est elle qui a choisi la France. Marvel avait une grande donation à faire de BD, dont certains qui dataient des années 50. Et le souhait de Marvel, c'était que cette donation quitte les États-Unis. Et bien évidemment que la donation était destinée à une association ou un organisme à but non lucratif. Je connaissais de nom le musée de la bande dessinée. Donc j'ai tout de suite pensé à cette culture, cette affinité qu'ont les Français pour la bande dessinée. 7 containers, cela représente près de 2 millions de bandes dessinées. Pour les stocker, il faudrait 5 km de rayonnage dans le musée. Des dizaines de milliers de bandes dessinées d'un des plus grands éditeurs américains vont arriver en France. Il s'agit d'invendus de Daredevil, Doctor Strange, Fantastic Four, X-Men ou encore Iron Man. Pour Jean-Pierre Mercier, c'est un don inespéré. Problème, il doit donner sa réponse en un temps record. Très vite, en réalité, on s'est dit on ne peut pas prendre 7 containers, c'est de la folie. On ne va en garder qu'un. Un seul conteneur avec à l'intérieur près de 300 000 comics. Le premier conteneur contenait justement la première époque de Marvel, c'est-à-dire des années 50 jusqu'aux années 70. Le conteneur est placé sur un camion et quitte les entrepôts de Marvel à Yuma, en Arizona. Il rejoindra le port de la Nouvelle-Orléans. Là, il est acheminé sur un cargo pour traverser l'océan Atlantique jusqu'au port du Verdon en France. Il ne lui reste plus qu'une centaine de kilomètres pour arriver à Angoulême. Le musée de la BD a donc choisi de recevoir les premières années de la collection Marvel. Des numéros rares et inédits. Sur le bordereau d'envoi, il y en a tout de même pour plus de 250 000 dollars. 3 mois après la proposition de Marvel, le conteneur est presque arrivé sur les côtes françaises. Le 25 juin 2004, il arrive devant le musée d'Angoulême. Le conteneur est plein à ras-bord. En tout, 2000 cartons chargés de comics books ont traversé l'Atlantique. Le trésor dormait en Arizona avant que la société Marvel ne décide de s'en séparer. Ça, c'est le Marvel Universe. Alors là, vous avez l'ensemble des personnages. Et à chaque fois, il y a une présentation. En quelques semaines, le CNBDI a monté une cellule de crise pour accueillir cette collection, puis évaluer son avenir ici, à Angoulême. Notre premier objectif en tant que musée, c'est le patrimoine. C'est la constitution d'un patrimoine de bande dessinée. Là, ce qui est formidable, c'est que on va regarder, parce qu'il y a des cartons qui me semblent un petit peu fatigués, ils font leur âge, mais globalement, si on sait... Je pense qu'on a l'histoire complète, une 30 ou 40 ans d'histoire de Marvel dans les cartons. Là. C'est l'événement dans la capitale mondiale de la bande dessinée. Pour Libération, qui consacrera même une double page à cette actualité, Captain America déboule à Angoulême, faisant référence au héros qui a fait connaître Marvel pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais l'histoire du conteneur ne s'arrête pas là. À l'intérieur, il y a bien près de 300 000 comics. Et ces bandes dessinées vont faire encore des heureux dans d'autres villes. Le musée a décidé à son tour de faire don de numéros reçus en de multiples exemplaires. Au total, 6 villes ont bénéficié des dons du musée de la BD d'Angoulême. 21 000 fascicules sont partis à la Bibliothèque nationale de France. D'autres ont été envoyés à Lausanne en Suisse, à Amadora au Portugal, à Barcelone, à l'Université de Bordeaux, mais aussi à Bukchon en Corée. Avec ce don, la France possède désormais la moitié de la production de bandes dessinées américaines des années 50 à aujourd'hui. Qui aurait cru que ces comics imprimés sur papier bon marché deviendraient les plus grands succès du cinéma. Voilà, on quitte nos super-héros américains pour revenir ici à Angoulême avec vous, Françoise Kuyten. Bonjour, vous êtes un auteur de BD belge. Vous avez été célébré, fêté, récompensé au Festival d'Angoulême. Vous avez un lien particulier avec cette ville ? Oui, c'est une ville qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'émotions. Depuis tout le début, parce que je suis arrivé là, au deuxième Angoulême, donc il y a vraiment plus de 30 ans, au moment où le festival était en train de se créer, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Tout se faisait au Café de la Paix, on passait vraiment en quelques rues, et tout était très concentré. Et j'ai vu grandir ce festival, et il m'a beaucoup donné. Cette exposition très originale propose des duos d'artistes. Un artiste contemporain travaille avec un artiste de BD. Vous nous proposez cette œuvre en collaboration avec Jean Le Gac. Comment s'est passé ce travail entre vous deux ? Alors, je connaissais son œuvre et j'admirais ce qu'il faisait. Mais j'étais un peu intimidé à l'idée de travailler avec lui et puis de faire une très grande toile. Je ne me sens pas peintre, je me sens illustrateur, dessinateur. Mais il était tellement sympa et j'avais quand même envie d'essayer. Et donc, voilà, il m'a proposé dans cette toile un petit peu le spot. Et puis moi, après, j'ai construit. Et puis, je n'étais pas tout à fait content du résultat. Donc, je lui ai demandé de reprendre et comme ça, dans cette espèce de va-et-vient. Voilà, c'est trouver un peu ce résultat qu'on voit. Message 32, pourquoi ? C'est le titre de cette œuvre ? Ah, ça, c'est Jean qui a vraiment qui a repris ça en main. Et je l'ai laissé faire. Il faudra lui demander. Le mystère vous plaisait ? Oui, absolument, absolument. Alors, il y a aussi un chiffre dans un album que vous avez récemment publié qui raconte l'histoire d'amour, une passion entre un cheminot et sa locomotive. Où est-ce que vous êtes allé la chercher, cette histoire ? En fait, en tant que scénographe, je travaille sur le futur musée du train qui sera à Bruxelles. Un bâtiment un projet très ambitieux, parce que ça sera le parler du passé, du présent et du futur du ferroviaire, presque en Europe. Et donc, à un moment donné, ils m'ont proposé d'aller voir ce qu'il y avait un petit peu comme matériel qui pourrait être exposé. Et je suis tombé un jour dans un hangar où il y avait des tas de machines, c'était un lieu qui va être démoli, mais magnifique, très mystérieux. Et il y avait ce type 12 qui a été fait dans les années 30, à la fin des années 30. C'était un choc incroyable. Qu'est-ce que la BD a d'unique pour tous ceux qui nous regardent tous les dimanches matins dans la Galerie France 5, qui aiment la littérature, le théâtre, le cinéma, la peinture ? Qu'est-ce que le 9e art a d'essentiel ? Ouh, quelle question ambitieuse ! Tellement de choses pour moi. D'abord, pour ceux qui le font, c'est la légèreté. C'est-à-dire que c'est extraordinaire de pouvoir tout seul construire un monde, un univers, faire entrer des personnages et arriver à mettre en scène cette espèce de petit théâtre de papier. Mais pour ceux qui le lisent, évidemment, c'est que je pense que c'est une très grande richesse, parce qu'on a actuellement un florilège d'auteurs extrêmement talentueux. Et donc, je trouve que c'est un monde extraordinairement riche qui parle de notre temps, avec des outils très, très troublants. Ils utilisent des techniques, pour l'instant, les plus pointues. Ils savent travailler sur ordinateur et ça fait parfois des livres vraiment très, très modernes dans leur écriture. Il y a un mot qui résume pour vous la vitalité, la force du 9e art. Un mot, oh là là, moi je trouve j'ai le sentiment d'être libre, d'avoir une liberté exceptionnelle dans la bande dessinée en tant qu'auteur. Et parfois, en le lisant, je sens aussi une forme de liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué par les moyens. Ce sont des cinéastes qui n'ont pas de producteurs en train de leur dire... De les brider. De les brider. Et donc là, on voit évidemment des propositions
très, très, très puissante. Merci, Françoise Keuthen. Merci à vous. Bonne continuation. Et voici venu l'heure du bloc-notes de la Galerie France 5. On commence avec des livres. La Douce, c'est le titre du dernier album de Françoise Keuthen, qui était notre invitée. L'histoire d'un mécanicien amoureux de sa machine, la 12004, célèbre locomotive à vapeur, un récit poétique et poignant, c'est aux éditions Casterman. Coup de cœur de la rédaction cette semaine pour la série Pablo, écrite par Julie Birman, dessinée par Clément Aubrerie. Cette BD raconte la genèse créatrice d'un des plus grands artistes du siècle, Pablo Picasso. Déjà 2 tomes en librairie, le tome 3 est prévu pour avril prochain. Côté expo, la vie de Salvador Dali en bande dessinée, c'est à découvrir en Angoulême, au musée de la BD, à travers les plus beaux dessins originaux du dernier album du dessinateur Edmond Baudouin. Et pour terminer, après un immense succès, Edward Hopper joue les prolongations jusqu'au 3 février au Grand Palais. L'exposition consacrée au peintre américain sera même ouverte 24 heures sur 24, du vendredi 1er février 9h au dimanche 3 février 23h, soit 62 heures sans interruption. Voilà pour cette matinée à Angoulême. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à 8h40. Alors vous voyez quelque chose ? Après le 9e art, c'est le 7e art que nous fêterons dans la Galerie France 5. Oui, regardez. Grâce à un documentaire, nous découvrirons les coulisses d'un des plus grands succès de Luis Buñuel, le charme discret de la bourgeoisie récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger en 1972. C'est bien ce que je craignais. Quoi ? Encore un inframonde ? Et puis vous le savez, vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de France 5 et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Très bon dimanche, à la semaine prochaine. Pire que ça, c'est la réalité.